J'étais super naze, grosse semaine de boulot. Je me sentais d'occasion, besoin de repos. Faut être raisonnable pour faire des vieux os. Intraitable, savoir se coucher tôt. J'ai dit les gars sans moi, je rentre, j'ai de la route. J'aurais dû me douter que c'était qu'un début. Les meilleures soirées ne sont jamais prévues. Paris by night, au hasard de la nuit, qui nous prend par la main et nous laisse au matin. Paris by night, ce qui me réjouit, c'est qu'on regrettera demain que ce dont on se souvient. En sortant du bistrot, j'ai dit cette fois j'y vais. On est sorti du resto, mais 4 heures après. Quelqu'un a dit, on se quitte pas comme ça. Je sais plus trop qui, je crois que c'était moi. On a pris un taxi, parce qu'au volant pas d'alcool. Et faut dire qu'aussi on retrouvait plus la bagnole. On a été dans un bar et dans un autre un peu mieux, en s'arrêtant pour boire un coup entre les deux. Paris by night, au hasard de la nuit, qui nous prend par la main et nous laisse au matin. Paris by night, ce qui me réjouit, c'est qu'on regrettera demain que ce dont on se souvient. Il était tellement tard qu'il était presque tôt. On allait bientôt voir les gens partir au boulot. On a été dans un club, dans une discothèque, dans une boîte à la mode. Là, ce fut un échec. Un videur nous a refoulé, je lui ai demandé doucement. S'il savait qui j'étais, il m'a dit ouais, justement. Pour laver l'affront, on a pris un falafel. Remis d'aplomb, on est reparti de plus belle. Paris by night, au hasard de la nuit, qui nous prend par la main et nous laisse au matin. Paris by night, ce qui me réjouit, c'est qu'on regrettera demain que ce dont on se souvient. Et moi je préfère Paris by night.